Ok. Salut les orques, ça va? Alors. On va retourner la chaise. Hop. Et on va continuer ce dessin. Voilà, je vais continuer sur ma lancée de tout à l'heure. Salut Manu. C'était bien? Ouais, super. Ouais, tu vois, j'ai revisité la fourrure. J'ai fait un marron un peu moins foncé. Et là, on voit bien les brochettes et l'assiette. La fourrure ne gêne pas du tout. Très, très bien comme ça. Et alors, ce que j'ai fait aussi après une remarque d'Aaron, c'est que tout à l'heure il y avait le couteau qui était ici et qui avait le même design que les brochettes, et en fait ça perturbait un petit peu le 1 2 3 4, parce que ça faisait presque 1 2 3 4 5. Donc j'ai mis les couverts qui partent par là, comme ça ça gêne pas du tout, et le truc qu'on voit c'est 1 2 3 4. Donc là, on voit bien les 4 brochettes et on sait pourquoi c'est un 4 de pique. Je suis très content d'avoir refait cette carte parce qu'elle est beaucoup mieux. Comme quoi, des fois, il faut écouter ces... Enfin, c'est pas des fois, c'est à chaque fois. Il faut écouter ce que dit ton estomac. C'était intense? Ouais, j'ai bien aimé. Et du coup, maintenant, tu vas faire le lundi et le mardi? Je sais pas, parce qu'il s'est plein déjà le cours. Ah. Il y a des courageux qui reviennent du sport. Tu m'étonnes, surtout à cette heure-là. La fin de la journée, là, t'as ta journée dans les pattes. Allez, hop, on va faire du sport. Mon Dieu. Ouais. Ok. Donc potentiellement, je peux finir cette carte ce soir.
Parce que là, il ne me reste plus qu'à faire le haut. Tiens, je ne sais pas si tu as vu, j'ai mis ma plante pour que tu ziotes. Ah oui. Non, j'ai pas vu. Je vais te dire ça tout de suite. Attends, je vais juste faire le coin là. Alors, voyons voir. Discord. Ouais, j'en reviens du Discord, j'ai rien vu. Pourquoi il bouge pas lui? Il bug? Ouais, il y a un bug. Ça y est. Travail en cours. Oh! Donc, moi, ce que je te conseille, c'est au plus creux de ta tulipe, de rajouter un peu de bleu foncé à l'intérieur des feuilles, histoire d'avoir une petite nuance entre le bord de l'intérieur. Et le creux vraiment à l'intérieur, tu vois, là où ça s'enfonce, avoir un petit dégradé qui est pas forcément très très pertinent sur la photo, mais qui rajouterait sur ton dessin. C'est-à-dire que là où on commence à s'enfoncer dans le creux de la feuille qui s'enroule, là, de faire un petit dégradé bleu, en mettant un petit peu de jaune après par-dessus pour pas que ça fasse trop bleu. Là où ça part dans le creux en fait, ouais. Là où la, tu sais, la feuille se referme sur elle-même. Comme ça, là. Comme ça. Hop là. La feuille se referme sur elle-même. Et en fait. Attends, c'est la lumière qui est, ce serait bien, toi. Et en fait, ce qui serait bien, c'est de voir. Voilà, à l'intérieur, dans le creux, là où ça part à l'intérieur, d'avoir que ça soit un peu plus foncé là, et puis que ça remonte un petit peu en dégradé. Tu vas voir, ça va rajouter une petite dimension pas dégueulasse. Le reste, moi, c'est très bien, je trouve ça très joli. Ça manque juste un petit peu de quelque chose à l'intérieur. On a un vert foncé qui est assez uni. Alors qu'il y a quand même plusieurs choses qui se passent dedans. Tu vois, il faudrait faire une petite différence entre vraiment ce qui est dans le creux et ce qui est juste à l'ombre.
bleu foncé. Tu fais un bleu foncé, donc tu n'appuies pas trop. En fait, tu fais un gradé. Tu fais un dégradé du milieu. Donc tu vas très léger au milieu. Et puis plus tu vas t'enfoncer dans le creux, plus tu fonces. Et après, tu reviens dessus avec un jaune fluo là. Pour le verdir un petit peu. Je pense que ça va vraiment faire la différence. C'est les mêmes tâches qui est là. Sauf qu'il faut que je les fasse un peu plus flou. Alors, je chope le bon stylo.
Et ils servent à la même chose, c'est-à-dire qu'on voit bien les pointes. Parce que tu vois, tout à l'heure, ben, cette pointe-là était dans le marron. Et ben, on la voyait beaucoup moins bien. Donc c'était un tout petit peu plus... pas difficile, mais moins facile à lire les quatre. On en voyait bien trois, mais la quatrième, on la voyait un peu moins. Là, maintenant, on la voit bien. Parce qu'elle a la tête. Le pic est dans une tache blanche. Bon, ce qui est con, c'est que j'ai inversé la place des fourchettes et la couteau, mais je pense pas que les orques soient suffisamment bien élevés pour en avoir quelque chose à foutre. C'est déjà pas mal qu'ils aient découvert.
peut-être le noter que jeudi, pas de stream sur Discord. Ouais, je le noterai, t'inquiète. Tu crois vraiment que les gens vont faire le déplacement pour... Oh mince, il est pas là. Y'a que toi qui vraiment attend le jeudi pour venir à mon stream, tu vois ce que je veux dire. C'est, les autres s'en foutent un peu, je pense. Hein. Ils viennent quand je suis là, mais je pense pas qu'ils attendent que je stream. Ouais. Bah, je le noterai. Alors, très déçu, moi je croyais que ces stylos étaient en bois. Et ben figure-toi qu'ils sont en plastique. Parce que Alduin me l'a niqué, il l'a trop serré. Et donc il est fendu. Et donc ben, du coup je l'ai ouvert et à l'intérieur c'est du plastique. Tout comme tous les autres stylos Bic. Là on voit bien la fente. Non, on voit pas la fente. Là. Non, on la voit pas. Bref. C'est pas du tout du bois, c'est du plastique. Très déçu. Bah ouais. C'est de l'arnaque. Alors est-ce que celui-là est en... Celui-ci, c'est pareil, il a la même texture, mais quand tu regardes à l'intérieur, c'est du plastique. Et moi j'ai même pas pensé à regarder à l'intérieur. Je me suis contenté de croire que c'était du bois. Parce que même au niveau du toucher, on sent bien le grain du bois et tout. Et c'est de la grosse connerie. Par contre, je suis en train de réaliser que j'avais demandé un stylo 4 couleurs à mon anniversaire et personne ne me l'a offert. C'est un Bic 4 couleurs et en fait, dans l'un des trucs, c'est un critérium. Je me l'étais pas acheté en disant, bah, je l'aurai pour mon anniversaire. Et en fin de compte, personne n'y a pensé. Donc, je vais m'en acheter un. Hein.
C'est un... Attends. J'en ai un, c'est pratique. Je l'ai pris dans mon sac quand j'attends l'ambulance. Il dessine un peu. Ouais. Avec le petit critérium là. Putain, quand j'ai découvert ça, j'ai dit truc de malade. Je me demandais ce que c'était que ce truc gris. J'ai dit, tiens, une nouvelle couleur que je connais pas. Tiens, ça écrit gris. Et là, je réalise que c'est un critérium. Excellent. Excellent, parce que ça veut dire que avec le même crayon, tu peux faire ton croquis au crayon et après l'ancrer. C'est très bien pour dessiner dans la voiture. Ah oui, bah oui.
Donc je confirme, on va pas faire le 5 tout de suite, hein, parce que la carte d'Angard est bonne, c'est bon. J'ai vu avec Rachmelina. Ce qu'on a fait hier soir, c'est ok. Donc lundi, toute la journée, ce sera la carte géographique. Oh, bien vu le coup de l'étui à lunettes. C'est un jeu qu'elle crée? Non, c'est un livre qu'elle a écrit. C'est une romancière. Et comme chaque roman Heroic Fantasy, t'as toujours une carte au début du livre. Et ça m'a l'air un peu plus sérieux que certains. Qu'à le peu que j'ai lu. Ben oui, c'est assez complet, c'est exactement où sont les choses, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est là.
Et t'as connu comment? Je sais pas trop. C'est une bonne question, je m'en rappelle plus. Je crois qu'elle m'a trouvé sur Facebook. Ok. On va faire apparaître un peu plus les... Thank you.
Ok, je pense qu'on est bon pour la fourrure. Ça avance doucement avec son dessin? Ouais. Elle est en train de faire les pièces d'or là. Ah, c'est un process un peu longué, mais. Elle avance plus vite que moi en tout cas, parce que moi je travaillais pas du tout dessus. Toi, j'étais en train de travailler sur ma carte tout à l'heure. De priorité, hein. C'est vrai que je préfère avancer sur mon jeu. J'ai une soudaine extra motivation. Je me demande pourquoi. Ok, alors on va bosser sur l'encadré autour maintenant.
phrase est vraiment pas à sortir du contexte. Ma chatte, elle sort à 9h, donc le soir, elle ne m'emmerde pas puisqu'elle est dehors.